Irina Viner, l'œil de la grande prêtresse de la gymnastique rythmique sportive russe, sur l'une de ses futures prodiges, Yana Batishina, 15 ans, déjà classée dans les 10 meilleures mondiales. Cette discipline est une affaire de femmes, pas seulement un sport de filles. Des années de sacrifice, d'abnégation, dans cet étrange rapport permanent à l'entraîneur, maître à penser, à bouger, à grandir. Pendant que la petite Yana range son ruban, Irina évoque le caractère de son autre protégée, plus célèbre, Amina Zaripova, vice-championne du monde à Bercy. Son plus grand défaut, c'est la paresse. Si elle n'était pas paresseuse, il y a longtemps qu'elle aurait été championne du monde. Elle a tellement de qualités. Mais pour réussir, elle doit absolument lutter contre cette paresse et travailler davantage. Au cerceau, Amina Zaripova, Russie. C'est moi qui ai découvert Eva Serrano. C'est il y a 4 ans. Il y avait une compétition fédérale à Toulouse. La première chose qui m'impressionnait, c'est sa morphologie. Son coup de pied, qui est très important. Et ses qualités physiques, la souplesse, c'est la qualité la plus importante dans la GRS. Elle sent très très bien les angels. Elle sent la musique très bien. Elle est très ambitieuse, mais parfois, elle fait la tête, comme on dit en français, ras-le-bol. Elle a un caractère très, très dur. Et une gymnaste, pour aller au niveau, elle doit avoir ce caractère. Sinon, elle ne peut pas progresser. Se présente au ballon, Eva Serrano, France. Eva Serrano, 16 ans, est première française dans l'histoire de la gymnastique rythmique sportive à intégrer le club très fermé des 10 meilleurs mondiales. Septième au concours général, cette jeune nîmoise formée aux méthodes bulgares sort de l'anonymat
sous le regard implacable des juges. Les jurys, encore un univers exclusivement féminin. Un monde secret, fait de petites confidences et de grands mystères. Un lieu clos où les dissensions se règlent en famille. Ici, discrétion et réserve sont de rigueur. On parle des juges, mais on ne les voit guère. Spécialistes des notes d'exécution ou de composition, toutes ces dames veillent jalousement sur leurs prérogatives. Nous sommes des gens réservés dans le sens où nous ne souhaitons pas dévoiler nos problèmes en public. Pour se mettre d'accord sur les notes et sur le classement, les juges doivent souvent en discuter en vase clos. C'est sans doute la même chose pour n'importe quel groupe de professionnels. Quand surviennent des désaccords, il faut les régler loin des micros et loin des caméras de télévision. C'est dans ce sens que nous sommes réservés. Depuis quelques années, le jeune public français se passionne réellement pour l'art gymnique. À l'occasion de ces championnats du monde, une nouvelle preuve de cet enthousiasme vient d'être portée au crédit de la gymnastique rythmique et sportive. Loger et nourrir toutes les délégations, accréditer chaque équipe, gérer à la minute près les passages de chaque gymnaste, plus d'un millier de personnes ont été invitées et guidées pendant les 4 jours de ce rendez-vous à Bercy. Pour être à la hauteur, la Fédération française de gymnastique et les organisateurs ont investi le palais Omnisport dans un foisonnement, parfois bon enfant, qui ne trompait pas sur la volonté d'être fidèle au rendez-vous. 300 bénévoles, le tout dans une ambiance de grande famille où chacun savait se serrer les coudes. L'esprit de la gym a soufflé sur Bercy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer ouverts les 18e championnats du monde de gymnastique rythmique sportive.